Extrait de Charlie Hebdo, texte de Guillaume Erner. Élysée 2017, la profession de foi de Donald Trump. Cher fucking French, je vais faire simple. De toute façon, la complexité, ce n'est pas mon fort. Votre pays va fermer, absolument fermer. Closed bankroute, comme on dit chez moi. L'avenir de la France, c'est la faillite. Comme les pneus Continental, comme Moulinex ou Manu France. Votre seule chance de vous en sortir, c'est moi, Donald. Déjà, le 12 novembre, ça n'allait pas fort. Mais alors, le 14 au matin, je ne vous dis pas. Everything goes wrong chez vous. L'économie, la politique, l'antiterrorisme, l'anti-arabéisme. Vous pensez que le FN réussira ? Mais les Le Pen sont des mous à côté de moi. Mes chers futurs compatriotes, j'ai échoué aux US, mais je réussirai dans le tiers-monde. Autrement dit, chez vous. Je serai président de la France. Mon programme tient en un mot. Fubar. F-U-B-A-R. Fucked up beyond any recognition. Faire en sorte que plus rien dans la France avec moi ne ressemble à la France avant moi. C'est cela l'erreur des Le Pen. Expliquer que rien ne doit changer en France, retrouver le franc, remettre des bérets, l'église au centre du village et la crèche à la mairie. Le PS, les Républicains proposent des réformettes. Le FN promet la France d'avant. Rien de tout cela ne peut fonctionner. Il faut tout péter, soft power. Il n'y a plus que moi pour rappeler que politique, ça rime avec trick et avec héroïque. Si vous m'élisez, je ferai de la France une nouvelle Amérique, comme Chicago dans les années 30. La prohibition et les inhibitions en moins, quand les Arabes vivaient en paix avec les colons et les Noirs bossaient dur dans les champs de coton. Il y aura du béton partout. Et si les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mes immeubles, eux, iront le chatouiller. On va vous débarrasser de vos vieilleries. Le Louvre ira entièrement à Abu Dhabi. Versailles appartiendra à la chaîne Hilton. Et Disneyland couvrira l'équivalent d'un département français. Personne ne travaillera le dimanche, puisque l'on travaillera le Sunday. Pôle emploi, la sécurité sociale ne seront plus déficitaires. Ils n'existeront plus. Pour relancer l'économie, j'ai prévu une double mesure. Rendre le travail et la consommation obligatoires. Simple. La journée, tu travailles. Et quand tu as fini de travailler, tu consommes. À chacun selon ses moyens, c'était du Lénine. À chacun au-dessus de ses moyens, c'est du Trump. Inutile de convoquer Keynes et autres Mr. Bullshit. Si chacun y met du sien, il n'y a pas de raison que l'on ne s'endette pas. En Musulmanie, le prêt à intérêt est interdit. Eh bien, chez vous, autrement dit, bientôt chez nous, il va devenir obligatoire. La France est trop endettée, les Français pas assez. Voilà pourquoi votre pays est malade. Si vous ne voulez pas vivre dans un pays pauvre, vous devez vous ruiner. Depuis quand, dans le capitalisme, on achète en fonction de ses besoins ? On a des désirs, et si l'on n'a pas de désirs, on se force. L'attentat du Décathlon qui a frappé la France a visé ce que nous avions de plus sacré, le chiffre d'affaires. Voilà pourquoi le chiffre d'affaires doit demeurer notre love affair.